C'est la cata, les amis. Il se passe un truc. Puis hier soir, il y a des guêpes. On a commencé à avoir 1, 2, 3, 6 guêpes par terre qui étaient un petit peu sonnées. Et bah en fait, j'en ai même vu une passer par la fenêtre, le trou de la fenêtre. Et là, hier soir, a commencé le festival. Les guêpes sont sorties par le mur du bas. Il y a un petit espace. Et en fait, on doit avoir un nid de guêpes dans le mur. Elles sont là-dedans, ce qui veut dire que j'ai mis du scotch tout le long et là elles sont en train de s'agglutiner pour sortir. Évidemment, on a le Jack qui est au taquet, mais surtout j'ai appelé quelqu'un pour venir, donc pas avant début juin, donc c'est mort, on est le 12 quand même, 12 mai, donc non. Et elle m'a dit non, il faut agir plus vite. Elle m'a dit appelez votre mairie peut-être. Ah, ça me. Franchement, c'est chiant, ça me stresse, j'en ai mis 15 hier, comme ça. Parce que j'aime pas tuer, même les insectes, ça me dérange, je sais pas, mais. Donc je faisais délicatement, je les mettais dehors, mais j'étais à deux doigts de me faire piquer à chaque fois. Et là, les voir s'agglutiner avec le scotch, j'aime pas non plus, mais si j'ouvre, c'est la folie, quoi. Donc cet après-midi, parce que là, il est midi, j'étais en train de faire tout ce matin, les bordereaux d'envoi et tout. Mais en même temps, je traite, je regarde, je vérifie qu'il pète pas le scotch. Ah, c'est la galère. Oh putain, il y en a une, elle sort. En fait, c'est quoi, ça? C'est une guêpe ou... C'est bien des guêpes, ça. Non? Viens avec moi. Ah bah non, toi, tu t'envoles. Elle sort. Ah, sort. Le nid de guêpe est dans le mur, derrière le lambris, c'est formidable. Alors, du nouveau, il s'est passé combien? 2h30 entre la dernière séquence et maintenant. Jaïri est rentré, on a mangé, donc j'ai appelé la mairie m'a donné le numéro d'un apiculteur dans le coin. Très sympa, il m'a dit qu'il allait passer, déjà pour voir ce qu'il en est, parce que j'arrivais pas à lui dire si c'est une guêpe ou une abeille, et savoir s'il doit dératiser, c'est pas comme ça qu'on dit, enfin bon, bref, vous avez compris, ou s'il doit récupérer. Il m'a dit l'essaim, je lui ai dit bon, ça va être compliqué, il doit y avoir un essaim, c'est force, je pense que ce sont peut-être des abeilles. Mais s'il veut récupérer, il faut péter tout le mur. Donc moi, non. Je me vois pas. En plus, c'est à mes frais. Bref. Donc il va regarder ça. Et après, il reviendra avec son matériel. Pour savoir, enfin, une fois qu'il saura ce qu'il faut faire. Ouh, c'est pas clair ce que je dis. Ah voilà, il arrive. Je vous explique après. J'ai scotché tout le long parce que j'étais un peu en angoisse, je vous avouerai. Ah oui, j'en vois. Bon, vous pouvez tout enlever. Mais non, peut-être pas enlever que ça rentre dans la maison. Bah, je les enlève, j'ai l'habitude depuis hier soir. Hein. Je les mets dehors. Ah, je les vois là, elles sont fusionnées. Mais ah. C'est quoi? C'est des guêpes ou des... Je sais pas, je vais vous dire ça. C'est abeille. C'est abeille? C'est une abeille. C'est Apis mellifera, mellifera. Et ça va pas être toxique pour mon chat? Non, non, c'est de la permétrine. C'est un produit bio. C'est pour ça que c'est facturé, parce que ça coûte 200 euros les 2 kilos. Et c'est biocide. Et vous, vous craignez rien? Bon, il est parti dans sa voiture, il avait tout prévu, chercher sa combinaison. Il va mettre le petit truc dans le trou et normalement ça va agir, c'est bio, c'est tout ça. Cool. Par contre, faut que j'aille chercher du liquide. Oh, quoi que je peux lui dire de repasser demain, s'il faut. Ouais, ça c'est un détail. Non, par contre, toi, tu vas pas rester là, ma puce, non. Elle a dit que c'était bio, il y avait aucun souci et tout, même ce soir on peut rester dans la pièce, puisque ça va être directement dans le mur en fait, c'est pas du tout pulvérisé dans la maison. Mais toi, faudrait pas non plus que tu lèches la sortie du truc, je te connais. Du coup, j'ai bien fait de mettre le scotch alors. Que... Ça prolifère. Ça prolifère. Ouais. Allez, je vais chercher le scotch, il m'a demandé. Savez-vous combien il y a d'abeilles dans un essaim moyen? Non, pas du tout. 30 000. Non. Si. Bon, il a quand même été efficace, en tout cas c'est fait. Ça m'a embêté de repasser une soirée avec ces abeilles. Voilà, il n'y a plus de danger. Normalement demain ça sera tout ok. J'aime bien régler les choses comme ça moi. Sinon quand ça me perturbe, il faut que j'agisse très vite. Donc là je pense que j'ai été assez efficace. Enfin c'est plutôt monsieur, mais au moins c'est fait. Il revient dans 2 heures, je vais lui chercher. 80 euros, je trouve que c'est vraiment très raisonnable. J'ai regardé les prix, c'est entre 120 et 160, voire plus parfois, donc c'est cool. Nous sommes le lendemain, je suis obligée d'ouvrir avec cette vision. Donc effectivement, il fait très beau. Monsieur a choisi un super spot, les papates au soleil. Et t'as pas trop chaud avec le pilou-pilou? Non? Je le cherchais partout dans la maison parce que je suis en train d'aérer. Je fais des lessives, tout ça. Et je ne trouvais plus baby. Sinon, quand même, vous faire le petit point. Donc nickel, il a super bien bossé. Ce matin, je me suis réveillée, il n'y avait plus rien. Franchement c'est nickel, en plus c'est bio, c'est pas du tout nocif et c'est très efficace. Donc en plus il m'avait dit, je sais pas si je vous ai dit, mais il m'avait dit, et puis si vous avez le moindre problème, si ça revient, je veux bien repasser sans problème, gratuitement, enfin nickel, extra, j'ai gardé la carte.
Voilà, et aujourd'hui, je suis trop contente, je suis surtout rassurée. Il me manquait un des 5 articles pour faire ma box. Et c'est bon, c'est arrivé. Donc là, je suis en train de faire tout le checking, je vérifie, je compte. Et je vais pouvoir commencer cet après-midi. Et ma maman va venir m'aider pour 2-3 petites bricoles. Et comme vous pouvez le constater, il y a le drap qui sèche, ça sent bon. J'ai mis ma tenue d'été, qu'est-ce qui fait beau, ça fait plaisir. Franchement, ça fait trop plaisir de ressortir les petits t-shirts et tout et tout. Comme je vous disais, ça c'est les 3 gros cartons comme ça. Là et là, dernier produit. Tu fais quoi? Eh bien, petit bonhomme. Bon, il est 7h35. Je vous ai pas repris avant parce que vous imaginez bien que j'étais dans les box, le nez dans les box. J'ai avancé, mais pas autant que j'aurais voulu. En fait, on a beaucoup papoté, donc forcément, avec ma maman, elle m'a aidée sur des petits emballages. Là, je vais manger. J'ai un petit coup de barre, surtout que je sais pas si je vous ai dit, mais j'ai réduit mon apport en sucre. J'essaye de faire super gaffe et du coup, je le ressens. Ça me fatigue quand même. Là, au début, ça fait ça. Je garde le sucre juste le matin sur ma tartine de la confiture, qui est d'ailleurs allégée, et 2 petits carreaux de chocolat au café. Et c'est tout. Il n'y a plus de grignotage le soir et tout. On verra si je tiens. Sinon, au niveau des box, je vais continuer, bien sûr, demain toute la journée, un peu dimanche. Et puis lundi, je ferai les premiers envois. Et après, je vais recevoir encore, parce que je vous ai dit, j'ai eu énormément de commandes par rapport à d'habitude. Donc au niveau de la production, vu que vraiment, il y a des choses qui sont faites sur mesure, ça prend un temps fou. Il y a tout un atelier pour un des 5 articles. Il y a, je crois, combien, 5-6 personnes qui se sont mis dessus dans leur atelier pour confectionner. Enfin bref, vous aurez compris. Ah, c'est cool. Et là, je vais faire une petite salade de type estival. Alors, rien de plus simple. Des carottes, elles sont croquantes, hein, crues. Mozzarella, un concombre qu'il fallait que je mange. Et là, par contre, j'ai déconné. Je voulais en faire qu'un. C'est les petits pavés mozzarella et tomate. Mais il y en a 2. Bon, je les réchaufferai pour demain. Et je vais me poser. J'arrête, hein, là. Franchement, j'arrête. Je reprendrai demain matin. Je vais regarder une petite série. D'ailleurs, je vous ai pas montré, mais Eric a voulu me faire plaisir. Alors qu'il le sait que j'ai dit que je faisais attention, tu parles que des tentations, il m'a ramené un macaron framboise. Mais non, je ne mangerai pas. Je peux pas parce que j'ai vraiment depuis toujours un problème avec le sucre. Le sucre engendre le sucre. Je mange du sucre, plus je mange du sucre, plus j'ai envie d'en manger. Et ça part en cacahuète. Donc aucune tentation, c'est pour ça que j'en achète plus. Je dis pas que je mangerai plus jamais de sucre si on sort, si machin, de temps en temps, évidemment. Mais j'ai envie de faire quand même gaffe. Samedi matin, nous sommes le lendemain. J'ai mis ma tenue, la même qu'hier, c'est ma tenue box. Quand j'emballe, là, je suis à l'aise, je suis bien. Ah non, comment ça fait ? J'allume la caméra ici. Mais... J'avance à mon rythme, mais franchement, c'est cool. Je veux pas mettre la pression, je suis dans les temps. Demain après-midi, on est invités, on va être une vingtaine barbecue. C'est pour ça que je veux m'avancer, parce que demain matin, j'aurai un peu le temps, mais bon. Voilà, pourquoi je vous dis ça, je ne sais pas, mais je vous l'ai dit. Allez, j'ai enlevé ma tenue de travail. J'ai ressorti les robes, on est vraiment bien. 13h, on va en profiter, on va aller faire maintenant ce qu'on avait fait, les courses. Là, je vais aller acheter un rouge à lèvres pour le cadeau de demain, de la litière. Et comme ça, quand je rentre, je peux m'y remettre. Alors, j'hésite soit Dior, soit Chanel. C'est vrai que ceux-là, ils sont beaux, quoi. Ça fait vraiment cadeau avec les étuis un peu couture. Viens voir, bébé. Parce que là, alors Chanel, j'aime beaucoup, mais Dior, regarde, ils ont fait des... Les petits écrins. C'est magnifique. Mais moi j'aime beaucoup, c'est le French Mademoiselle, ouais. Qui fait Rizzi, voilà. Faut voir. Ah, peut-être celui-ci. Alors on a choisi cet étui. Je dis bon parce qu'il a choisi avec moi. Et c'est un joli rouge, alors qui tire un peu sur framboise, mais il est quand même plus rouge. Sur le parfum à fond, j'ai essayé le Carolina Herrera, mais les deux. Donc j'ai une odeur ici particulière, une autre ici. C'est entêtant. Donc, je vais me faire un petit thé, une infusion avant de repartir bosser. Ça, le cadeau. Moi, il y avait 25%, donc je n'ai plus de crème de jour. Je me suis pris la crème Chanel. C'est la technologie microfluidique. Et ça sent tellement bon. Franchement, c'était raisonnable le prix par rapport à Chanel avec les 25%. Je l'ai eu à 40, je crois. Et après, on est allé à Inter pour la litière. Il n'y a plus, c'est chiant la litière, la agglomérante. Donc, j'avais pas du tout envie d'acheter un eyeliner dans une grande marque. J'ai pris Bourjois. Ça va faire le job, hein, il est noir. Et un petit kohl, un temps. J'aime bien de temps en temps mettre dans la muqueuse. J'ai pris également, c'est les Too Good. Elles sont bonnes, c'est épinard, betterave. Enfin, je dis elles sont bonnes. Cette marque est bonne, je connais pas celle-ci. C'est les Nude, patate douce, pois chiche, betterave. Et ça, c'est pour grignoter. C'est des crackers à base de graines. On est sur une pointe fine. Et j'ai pris un brun profond. Je voulais pas un truc noir pour la muqueuse. Je trouve que ça fait ressortir l'iris, cette couleur. Voilà, sur ce,
Infusion et je remonte bosser. Est-ce qu'on n'aurait pas une tête un peu de fin de séance éclatée? De toute façon, j'ai pas tout reçu et il est quand même 7h-10, donc je vais arrêter maintenant. De toute façon, je vais pas me coucher tard, je vais me lever très tôt pour continuer et faire le montage du vlog demain matin parce qu'on s'en va, on doit être à midi. Ouais, ça va être chaud, parce que le montage c'est long aussi. Bon, bref, c'est pas grave. Je vais arrêter maintenant ce vlog. Et ben, je vais vous dire à très vite. J'espère que ce petit vlog sur plusieurs jours vous aura plu, les amis. Je vous embrasse. Bisous.